Wesh le zoo, petite vidéo à froid aujourd'hui sur Metal Gear Rising. Non, ça fait un moment qu'on m'a dit de faire ce jeu, je l'ai pas fait, avec 9 ans de retard. Je l'ai terminé off stream du coup. Je me suis dit, vas-y, on va partager un petit peu de gameplay ensemble sur le jeu. Donc là, je me suis permis de remettre rapidement la mission 6, si je dis pas de bêtises. J'adore l'OST. Et parce qu'il y a déjà trop de vidéos du combat contre le sénateur slash président sur internet. Donc on va faire ça tranquillou. En tout cas, très très bon retour. Le jeu, j'ai bien aimé. Du bon platinum game comme on aime. C'est-à-dire, voilà, c'est le défouloir, on y va. Ça tape, ça découpe, ça marche bien. C'est stylé. Du petit slow motion. Et bien évidemment, la physique de découpe, je trouve, est super propre. Je vous dirai un peu dans le stream, dans le chat, pardon, dans les retours YouTube, quelles sont vos impressions sur ce jeu à l'époque où vous l'avez fait, parce que maintenant il est assez vieux, donc je pense qu'il y en a qui l'ont fait à l'époque, ou s'il y en a qui, comme moi, ont procrastiné pendant presque 10 ans avant de le faire. Ça pourra m'aider à savoir un peu ce que vous en pensez. Et sur l'arc Platinum Game, de toute façon, là, il reste encore pas mal de jeux à faire dans ma liste de 2022, et comme prévu, à la fin de l'année 2022, je vous ferai une tier list des jeux que j'ai préférés sur l'ensemble de l'année, donc pas forcément les jeux qui sont sortis en 2022, mais les jeux que j'ai faits en 2022. Donc c'est pas mal du tout. On va skip, hein, y a pas de problème les gars. Je trouve la musique, elle est trop stylée. Ah. C'était passé derrière, j'ai pas compris. Hop là. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, avec la caméra parfois ça m'arrive de rater le pari parce que j'appuie avant et il fait pas vraiment avant en fait. Là par exemple juste avant. Soit. On découpe en haut. Hop là, j'ai loupé. Hop là, c'est bon. T'as la petite partie où il a main nue. La dernière partie derrière. Be a good time, Jack. Jack the Ripper. Comme ça. Yep. Ça peut tarder normalement, il va reprendre son arme. La troisième partie, entre guillemets. Now this is a fight. Au début du jeu, il nous met une mise à l'amende légendaire, ce gars-là. C'est bien d'en parler d'ailleurs, parce qu'elle est assez violente. Ah, j'ai raté. Dash avant ou bien il va balancer les cailloux. C'est Paris. Et il va balancer. Okay. Il a balancé les roches, il y avait rien. Hein. Tiens à préciser. Doigt. Ah, j'ai pas réussi à parier le deuxième. Raté. On voit encore.
Oups, j'ai raté là. Ou que le PV. Ça devrait être bientôt fini, je pense. Là, il dash ou il renvoie. Là, normalement, ça devrait être bon là pour le kill. Soit playtime is over. Free flow, c'est pas mal voilà. Les boutons, t'appuies, ça marche, t'envoies, ça marche. Donc peut-être une redécouverte pour ceux qui l'ont déjà fait, peut-être une découverte pour ceux qui ne l'ont pas fait. Le jeu est relativement rapide. J'ai fait ma première run à niveau normal en à peu près 4h et 10 minutes. Si j'ai pas de bêtises, hein, j'ai mis un peu l'écran sur le Discord. 4h20 peut-être. Après vous pouvez le refaire en hard et après il y a des nouveaux modes je crois Jetstream et Blade Sword ou je ne sais quoi qui, que vous débloquez, c'est sûrement des équivalents de New Game Plus, j'ai pas checké. Bon, pour l'instant je peux pas spécialement faire les New Game Plus et tout ça parce que j'ai pas mal de jeux avancés, que ce soit pour le taf ou pour la chaîne YouTube ou pour la chaîne Twitch. On va se contenter de ça. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires YouTube si de base c'est un de vos jeux préférés, si vous avez de magnifiques combo vidéos à me proposer, parce que moi j'ai que 4h30 de gameplay donc là, je suis tout nul, on a fini, mais je suis tout nul sur le jeu, en vrai. Je pense qu'on peut faire des trucs de fou dessus une fois qu'on a tout débloqué. N'hésitez pas à me partager peut-être vos vidéos à vous, si vous aviez dosé le jeu et qu'à l'époque, vous avez fait des combos vidéo, combos mad, avec tous les trucs du hack and slash débloqués. Tenez au jus, les potos, on est ensemble. Yaboy Reza, out.